Allez. Guard duty. Raitalenka Games. Sickchicken.com. B pour examiner. A pour... Excusez. Oh, français! Merci, Raitalenka. Séquence d'initialisation activée. Temps restant avant extinction de l'espèce humaine, 10 secondes. Quand s'arrêtera-t-on cette souffrance? Ce monde était autrefois une terre riche, remplie d'amour et d'harmonie. C'est que ce que tu penses vraiment. Va dans l'enfer. Tu sais, je préférais ne pas y retourner. C'est bien trop amusant. Arrête ça, sinon je tire. La paroi de tirer. Ben là. Mille ans plus tard. 3270 quelque chose. Le royaume de Wakenwood. Joyeux anniversaire à moi. Hic, hic. Joyeux anniversaire à moi. Hic, hic. Hic. Oh, un monsieur. Halt! C'est qui? Je vais avoir besoin de votre nom. Donnez-moi votre nom. Ne faites pas attention à moi. Bon, ben bonsoir monsieur, attention à moi. Ne m'apporte pas de cadeau, c'est mon anniversaire. Tu m'en as apporté un? Tu sais quoi? Oublie, j'ai tout ce qu'il me faut ici. La adorable princesse Tamarin, on pourrait la contempler toute la journée. Elle est aussi belle qu'une fleur. Une princesse? Alors c'est une jeune princesse, héritière. Elle est son royal, imagine. Elle est de son royal, j'imagine. Aussi royal qu'elle peut l'être. Intéressant. Sans, ils l'ont mal écrit, ils ont mis S. Si ça ne te dérange pas, la nuit a été longue. Ah ouais, j'en oublie mes bonnes manières. Ah, pas de problème, monsieur. Laisse-moi ouvrir la porte. Crétin. Le lendemain matin. J'appuie. Oh, c'est correct. Et j'appuie. Moi, j'adore des jeux comme ça. Hey, Thunberg, amène tes fesses dans la salle du trône et vite. Oh, mais combien de bouteilles j'ai bu hier soir? Et comme si mon cerveau essayait de sortir de mes orbites, je demande ce que me veut le roi. Utilise le bouton marcher pour marcher. Et Tamber appuie sur le bouton examiner pour examiner les environs. Appuyez sur le bouton utiliser sur un objet pour faire interagir Tamber. Ok.
Je ne peux pas les débarrasser. Bon, c'est le niveau de ménage, c'est pas important. It's too high for me to reach. Not to mention really heavy. Besides, I'm pretty sure it's empty. Bon, il est trop haut, puis il est sûr qu'il est vide. Excusez-moi. I'll leave it where it is. Hey, Dr. Jones, no time for love. Yeah, I think I've read that enough. I'll leave it there. I would take it, but I'm allergic to paper. Dose de thé? Ah, c'est une fenêtre. I can't reach it. Besides, I'm not even thirsty. Ouais, attends, j'ai pas soif. A series of rivers run down from the northern region. They call it the Serpent's Kiss due to its winding banks. The rivers meet just la rivière le rejoint non loin de la grande. Okay. Parler de la rivière. Bon, l'armoire. On s'habille, j'imagine. Hold on. There's nothing in here. Someone's nicked my uniform. Quelqu'un a volé mon uniforme. Une corde. Tout ce que je prends, Tomber est ajouté à son inventaire. La bourse est limitée. Tu peux accéder à l'inventaire de Tomber sous la bourse en haut et à droite de l'écran. La bourse de Tomber facilite le transport d'objets. Tout ce que Tomber ramasse peut être rangé. Tu transportes 4 items. Appuyez sur le bouton examiner sur un objet pour examiner et appuyez sur le bouton utiliser pour utiliser. I'm no god. I can't move. The elder, a true rat, is lucky. Oh, you can't reach it from down here. Besides, I've got a day or two before it needs replacing. I'll leave it where it is. Les fléchettes. I'll just take one. Wouldn't want to be greedy. Bon. On descend. Someone's locked me in. It doesn't make any sense. T'as aucun sens. J'ai perdu la clé il y a des années. Comment je vais faire pour sortir d'ici? Oh, ok, faut. Tomber a écrit sur une note à ce sujet. Ouvre la bourse et appuie sur le bouton examiner sur la liste pour consulter l'objectif en cours. Trouver un moyen de rentrer au château. Où est mon uniforme? Okay. Ah, wobble squats. It's just out of my reach. Il n'y a pas grand chose pour l'atteindre. Ok, il y a un tabouret là. Non, ok. They've been there for weeks. I'd hate to disturb them now. Ah. Oui, ça, tiens. Not sure how tying rope to that would help. Oh, you can't reach it from down here. Besides, I've got a day or two before it needs replacing. £1. Rope seems strong enough. It's a dart, sharp and pointy. Oh, you can't, besides. Don't think that needs to be stabbed. It's too, besides.
it's my pencil. Great for writing stuff down. £1. Rope. Seems strong enough. I've already got one, so I'll leave the others be. Nope, I'm gonna need the key if I ever want to open this. J'ai aucun poil sur la poitrine. Rope seems strong enough. I think I'd be better off if I tied it to something first. Okay. À quoi est-ce que tu veux l'attacher? Oh, Lee! That'll do nicely. Just don't tell Elf and Safety. Trouvé! Saute, mon cabochon! Hey, t'es chez Caribou! Québec, bienvenue à la tribu du Caribou canadien, mon ami! Ça fait super plaisir de t'en faire. Oh yeah! Tabarnage, il est là, il m'a gagné! C'est ça, ma Charlie Nini, là! Mon visage a l'air bizarre! Ah oui, c'est bon, c'est Charlie Nini! C'est accusé de haute trahison si je touche aux fleurs du château. Je n'ai pas besoin de jolies fleurs. On ne comprend rien à ce qu'il dit. S'il veut rentrer, il va avoir besoin de sa clé, mais ça fait des années qu'il l'a perdue. Oi, hands off! Et bat les pattes! Oi, hands off! Regarde ce qu'on a là. Qui c'est ça? Un étranger dans le château en plus? Sarabouze, qu'est-ce que tu fais à traîner dans le château? C'est moi, Thunder. Pas en vert. Tangère. Thunder! Jamais entendu parler. Dusty, pourrais-tu escorter ce monsieur à la sortie du château? Il embourbe toute la pièce avec son odeur d'alcool. Mais... Tu fatigues pas, je te sens d'ici, tu empêches la bière. Désolé, petit bonhomme. Oh ben tabarnak. On ne m'apprendra jamais au sérieux si je reviens comme ça. Ils me laisseront rentrer si je retrouve mon armure. Et des bottes? J'ai trouvé mes bottes. Je dois vite retrouver mon armure, sinon il me laissera jamais retourner dans le château. Je dois trouver le reste de mon armure. Avec un peu de chance, il y a encore une porte de la ville, je devrais commencer par là. Regardez sa chance. Oh mon dieu, regardez-moi ça! Qu'était-il arrivé? J'ai été attaqué par des abeilles. Oh! Elle n'arrête pas de m'attaquer. Et en plus, personne ne me reconnaît maintenant. Et tout ce que je veux, c'est retourner au château. Arrête. C'est quoi ce charabia?
Quoi? Alors, vas-y, c'était quoi? Des guêpes? Nettles? Des horsties? Working girl? Une prostituée? Ne réponds pas à ça, épargne-moi ce calvaire. Je viens de le dire, c'était des abeilles. Tu sais, une pincée de racines de médusa avec l'air ça, tu devrais même en avoir au marché. Tu veux que je te l'écrive? Je te doute que ce n'est pas vraiment facile de parler avec tout le moment. Donne-moi quelque chose pour écrire et je te ferai un dessin. Parfait, on voit. Et voilà, montre ça au marchand de fruits et il saura exactement ce qu'il te faut. Merci. Enlève tes mains de là. Ce n'est pas pour toi. Il est tellement grand. Beau panneau de bien avant nous. Tu crois que je vais sortir comme ça? Il va falloir rire en apprenant. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Allô, madame la vache. Brave bête. Un poulet? Si la grenouille est partie. Je vais la laisser tranquille, elle a la heureuse poulailler. Je peux pas mettre un lac, une montagne, un arbre, 25 pièces de haut dans ma bourse. Qu'est-ce qu'il dit? Tu peux pas mettre ça là, toi? Je ne pêcherai pas dans le coin. Bon. Hors d'ici, j'ai un patient. Attends, je vais me vérifier si je peux pas passer le tipan, par exemple. Bon. Ah, c'était rien que sortir. Bon. Enlève tes mains de là, face LED. Mais elles sont vraiment jolies! On regarde les yeux, pas que les mains. D'accord. Hors de question que j'y touche. Ben, écris ça de Fatamoon. Je n'ai pas vraiment envie de porter des boules de charbon dans toute la journée. Bon, ok. Enlève tes mains de là. Ce four repère a une température vraiment précise. Je n'ai pas besoin qu'une demi-portion vienne y fourrer son nez! D'accord, désolé. Tu peux m'appeler Facelet. Je n'ai pas le temps de discuter. Arrête de déranger. Allez-vous-en. Je devrais demander au fondateur si je peux prendre un de ses outils. Je n'ai pas le temps de discuter. Non. Et je m'en vais. Le marchand de fruits est là. Hé, hey, toi! Moi? Oui, toi. Viens là, laisse-moi te regarder. Je crois que c'est à moi. Salut, mon mignon. Tu te souviens de moi? Oh my God! Oh mon Dieu! Salut, Gertrude. Est-ce que je peux récupérer mes jambières, s'il te plaît? Pas tant que tu n'auras pas fait un bisou à Girti. Allez, viens là. D'accord. Laisse-moi juste... Il semble que Gertrude détienne le pantalon de Tomber, mais elle ne le redonnera pas sans un baiser en retour. Tomber refuse de lui donner, mais peut-être qu'on peut trouver un volontaire. J'attends, Tomber. Jardinier voudra pas. Je vois que je suis occupé. Pas encore, j'ai vraiment l'air stupide, je sais que... Ok, ouais. S'il vous plaît, donnez-moi une pièce. Je donne une pièce! Tu t'embrasses. La madame.
Arrête là, Quasimodo, t'es assez proche comme ça. T'occupe pas de lui, il aboie plus qu'il ne mord. Et si t'as pas d'argent, c'est pas la peine de rester là. Je suis vraiment dans le pétrin, il me faut de la racine de Melusa. Vite, j'ai de l'argent maintenant. Très instructif, merci. Je savais que c'est intéressant. Je ne pense pas que tu te vois aussi drôlement. Regarde ça. Je crois qu'il a perdu la boule, Barry. On dirait bien. Écoutez, je suis vraiment mal au point. Je suis sûr que mon visage va exploser si je ne suis pas soigné. Toujours ouvert. On ne ferme jamais. Ouais. Et nous sommes fiers de vendre les meilleurs fruits épicés exotiques et les herbes médicales de tout le royaume. Tu ne trouveras nulle part ailleurs des raretés telles que les raisins gagnants, la poudre de rhizome de Babla ou encore de très cherchés fruits de la Stand Valley. Notre réputation en beau résister dans le mais fait que nous sommes vendants les meilleurs, nous vous proposons également sur une gamme abordable pour nos clients les moins fortunés, souvent déformés, aigres ou légèrement. Notre entrée de gamme de fruits et d'épices offre les mêmes effets bénéfiques que notre gamme fraîche avec seulement quelques vomissements occasionnels. Miam! On apprend ça très vite, l'argent ne règle pas tous les problèmes. Et voilà le bel exemple. Et de l'argent, maintenant. Tu sais qu'on ne vend pas aux mineurs. Mineurs, j'ai 25 ans et demi! Ah, c'est trop mignon, il n'a pas toute la tête. Je crois qu'il y a un truc qui ne va pas avec son visage. Oh, tu crois? Je crois que c'était une de ses taches de naissance. Non, ça me coule pas comme ça, une tache de naissance. T'as raison, désolé, t'as de l'argent, mon gars? J'ai une yème. Je comprends pas un mot de ce qu'il raconte. Et toi, là, file-lui une borange et nous laisse tranquille. Une poilue. J'ai hâte de faire la charité. Ce pauvre type, t'as besoin d'aide. Ça commence à être pénible. Je vais te dire que je ne suis pas un vendeur honnête et que je suis fier de la qualité de mes services, peu importe l'argent que de mes clients. Je vais t'aider. Je peux te prendre un des fruits devant toi. Mais choisis bien. Un fruit pourri, pourquoi te soigner alors qu'un joli fruit ferait empirer les choses? Et je veux celui-là. Tiens. Eh bien, obtenu un objet qui aura besoin d'interaction supplémentaire. Ouvre l'inventaire de Tomber et appuie le bouton examiner sur l'objet pour l'examiner. Le fruit mauve. Filet. Qu'est-ce que je fais? Je peux-tu le prendre, le fruit? Non, je vais bien. Il veut pas, ok. Ah, je vois que tu cherches de la racine de Medusa. Ça va, c'est pas donné ce truc. Mais combien? 10 pièces d'or. C'est une blague? Je n'ai pas 10 pièces d'or. Regarde-moi, j'ai déjà de la chance d'avoir une pièce. On dirait qu'il n'a pas les moyens, chef. Ah, c'est pas la chance, gamin. Peut-être qu'une bonne vieille patate fera l'affaire.
Excuse-moi. J'aimerais te poser quelques questions. Je suis occupé, une tannée. Dans ce qu'on somme le prix. De combien on parle exactement cette gamme? C'est ça, en rapport qualité-prix, il y a tout ce qu'il faut. Non, de combien on parle là? On a une toute responsabilité concernant la sécurité de nos clients, concernant l'entrée de gamme. Toujours parler de la responsabilité, mais jamais! C'est vraiment pauvre, pauvre Jimmy. Il n'a jamais écouté. Bon, ça ne nous mènera nulle part. Et il me faut de la racine de Medusaville. Vous allez admettre, je ne pense pas que tu sois aussi vite. Sympa. Regarde ça. Je crois qu'il a perdu la boule, Barry. On dirait bien. Non, je crois qu'il parle trop vite. La boutique de Sam, on voit ce qui se passe à l'intérieur de ça. Hey, Sammy, comment ça va? Bon sang, tu vas bien? Pas vraiment, non. J'ai quelque chose qui peut me soigner, un visage couvert de piqûres d'abeilles. On va dire que tu as dit non. J'ai bien peur qu'on soit à court de remède. Pourquoi ça me surprend même pas? Je peux proposer un chapeau plus grand? Il y a même un joli ruban rose. Bon, j'imagine que ça pourrait être utile à quelque chose. Je te donne ça. 30 pièces! Est-ce que j'ai l'air d'avoir autant d'argent? C'est du vol, non? Eh bien, c'est inutile d'essayer de trouver un accord avec moi. Je te dis au revoir. Reviens vite. Je te donne encore 30 pièces. Oh, fouille la fontaine! Oh, une pièce! Pas toi! Qu'est-ce que tu fais? La dernière. Les gens d'ici sont connus pour être les plus cheap. Ça, c'est l'homme d'un regard d'un homme déterminé. I've got to admit, you're kind of adorable. Can't imagine your office fun normally. Would you look at that? I think he's lost the plot. So... la même chose que t'as là. You still here? Je vérifie quelque chose de nouveau. Ah. Oh! On ne passe pas. C'est une scène de crime. Personne n'y entre et personne n'en sort. Allez, casse-toi, vermine. Ça sert à rien d'essayer de combattre le château. Je
ne pense pas qu'il me laissera prendre ce ruban. That's close enough. You look like you're at boiling point, and I'm not taking any. Tu as parlé d'une racine spéciale. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Quelques manques de politesse, qu'il y a des boyaux, ne te regarde pas, mon gars. Demande juste, t'es bizarre. Si tu veux tout savoir, j'ai deux ribs et mon rillette depuis. C'est bon, je veux pas en savoir plus. Et puis je pense que tu as des trucs plus importants à régler, non? Est-ce quelque chose, une racine en particulier, c'est quoi ça? That's right. Oh, t'as une minute. Non. Pas une mauvaise idée, mais il est trop rapide pour que je l'attaque avec mes mains. Je pourrais utiliser une pièce. J'ai pas envie de la tuer! Tu pourrais l'attraper si tu mets le filet là. Je vais l'accrocher le filet là. Ici. Tiens. J'espère qu'il sera assez solide. Bon, vas-y, on s'en va. La maudite grenouille est là! Allô, grenouille! Oh, elle tombe dans l'eau! Dans mon filet! Oui, c'est débat. Tu l'es. Grenouille. Encore le filet. Il y a un pont, ça veut dire que je peux aller par là. Il sort. Qu'est-ce que je ferais avec une grenouille? Je vais aller la vendre au marché. Non, je sais ce que je vais faire! La belle Gertrude avait embrassé une grenouille. Hey Gertrude! Ah, t'es revenu raisonnable, c'est ça! Un dernier baiser. Mouah! Pow! Oh, t'as pas mal qu'un prince! Bonjour, mon mignon! Il est à moi! Cette scène a été censurée pour préserver votre santé mentale. Dieu merci, c'est terminé. Enfin, elle a même laissé ma monnaie. Ah, je vois que tu as acheté les racines Médusa, ça va te coûter un max. Ça n'a pas donné ce truc. Combien?
10 pièces d'or. C'est pas trop tôt. Et voilà, mon bon monsieur. 10 belles pièces d'or, ma petite femme. C'est un plaisir de faire affaire avec toi, mon ami. Ah ouais, dans ma basse. Oh, lavez, lavez. Voulez-vous savonner? Oh, génial, je me sens déjà mieux. J'ai cru que j'allais rester comme ça pour toujours. Peut-être que les gens prendront un peu plus de... Peut-être. On va continuer pour encore un bon 25 minutes à ce jeu-là. Pour y continuer demain, évidemment. C'est J'adore le jeu. Un jeu qui est de 10$ uniquement. En français, si vous aimez les jeux dans le style Click and Point, cliquez, pointez et cliquez, 10$. Bon. Qu'est-ce qu'il me reste, moi? Not so fast. I still need my other bits. I should have two boots, my greaves, and my doublet. Then I can think about finding somewhere quiet to get changed. Ok. Ok, j'ai compris. Relax, relax. Oh non. Tiens, mon assassin, mon chat, merci très cher. S'il vous plaît, donne-moi une pièce. Tiens, j'ai ça à simple ou de la merde. My trousers, a bit rusty, but they do the. It's a string net. It's a dart. En tout cas. Not got any use for a sign about dancing. Excuse me, sir. I'd like to ask you a few questions. Right, well, make it quick. D'accord, posez-moi les questions, mais vite. Tout à l'heure, il disait tant non, mais là, il veut. Qu'est-ce que vous faites? Je retourne la terre pour qu'elle soit prête à être plantée. Je crois qu'elle est assez retournée. Oh non, en fait, elle doit vraiment être douce et moelleuse, comme un nuage noir et orageux déchirant le ciel. Ah, bizarre. J'aime votre cache-œil. Merci, mais fait partie de moi, comme ma peau et mes os. Vous ne l'enlevez jamais? Le monde n'est pas préparé à voir l'horreur qui me gagne. Ok, d'accord. Je ne veux pas de pitié. Garde ça pour mes frères. Vos frères? Le fils de Liberty. Liberty était ma mère, une brave femme avec ma cœur, un honneur, veuve. Elle a dû enlever des triplés. Ellie, George et moi. David, malgré nos différences, mes frères et moi avons travaillé dur pour nous faire un nom. Et à peu de temps, notre travail a été reconnu et notre réputation c'était de... C'était plus fait. Elle était les aides du roi et je la reine de White Barbara et on cultivait les fruits du duc de Dunbar. Eh bien, on s'occupait des fleurs du château de Wankumpung. Et c'est là, et ouais, et ça fait 20 ans que j'en ai pas mis les pieds. Oh, ça fait longtemps! Alors pourquoi avoir arrêté de travailler au château? C'est dangereux de travailler comme jardinier. On ne sait pas ce qui se cache derrière une bégonia. Je ne fais pas vous dire, il était jeune et imprudent. On n'avait aucune des démences qui se cachent derrière ces murs. Je me souviens encore de leur regard alors que les bêtes refermaient les pièces sur leur cou. Des pièces sur le cou. Et puis un coup, le fils de Liberty n'était plus tellement triste. Je n'oublierai jamais ce matin-là. Et dans pourquoi ce cache-œil? Ah, ça c'est vraiment un serpent m'a mordu. Eh bien, sûr, je pensais que c'était évident.
Je devrais peut-être travailler ma narration bien plus tard, c'est ça. C'est une belle histoire. Si je te vois, si je te vois, si je te vois chanter des chansons, fais attention pour toi. Tu es le plus beau, le beau des chapeaux, le beau chapeau, 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 baguette dorée. Tu es le plus beau de la terre. Je ne peux pas entrer habillé comme ça. J'en crois pas mes yeux! Thunder! C'est mieux comme ça maintenant. J'arrive pas à croire que je t'ai pas reconnu avant. Comment t'as pu mettre ton visage dans un état pareil? Jésus, c'est ma pire journée. T'as besoin d'une oreille attentive. Je suis là toute la journée. Eh bien, après ce qui a semblé être une fête d'anniversaire mérité, je me suis dit que ce serait mal poli de refuser de goûter le meilleur boisson de Drunken. C'est malin. Une fois la loupe arrivée, je me suis dit qu'il faudrait peut-être que j'aille me coucher. Je suis rentré dormir dans la tour du château. Malheureusement, il est évident que j'ai perdu quelques affaires, d'où mon apparence. Oh. Eh bien, ça a vraiment mal tourné pour toi, fiston. Je te le fais pas dire, faut voir le bon côté des choses, ça peut être pire. Non, ça pourrait être pire, ça va être pire. Quelque chose pour des sourires, jette un œil dans le coffre. La clé est cachée à l'endroit habituel. Oh, pas la clé pour rentrer chez lui. C'est fermé, Barry. Il a dit que la clé est à l'endroit habituel. Oh, l'endroit habituel, c'est là. Hey, fallait-tu fouiller? Elle devrait être quelque part là, à l'endroit habituel. Tabarnak. Salut, Blaze. Je te l'ai gardé, Tandy. Qu'est-ce qu'il m'a donné, la clé? Ou un peu d'équipement? Ah, c'est mon équipement. Bon, j'ai tout mon équipement, je pense. Et tu veux que je me change où? Il y a juste des vaches, là. Tu peux faire ça, là? Je suis dans mes smart! C'est un jeu click, point and click. Tadam! C'est moi, Thunder! Salut les amis! C'est un jeu à 10$ qui s'appelle... Impossible que j'amène ça. Je ne vois même pas qui pourrait porter un bouclier comme ça, à part Dusty. C'est là, monsieur. Bonjour. Ah oui, Thunder, c'est ça? C'est moi. Et comment puis-je vous aider aujourd'hui? Thunder, tu as l'air d'aller mieux. Allez vous faire voir, j'ai bien entendu. J'aime pas ce temps, Tombert. Vous m'avez jeté hors du château, j'étais en canne sang.
Hey, comment on pouvait savoir que c'était toi? Ouais, tu parlais pas correctement. On comprenait rien de ce que tu racontais. Pourtant, vous faites vite vos remarques sur mes origines naines d'habitude. Il y a à peine de nains, ouais, t'as rien de spécial. Ouais, on n'a pas la barbe, normalement. Et on joue les idiots avec toi? Tu veux qu'on remette ça? Dusty? Non, 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 une seconde. Je suis vraiment désolé, j'étais frustré. La maternité est rude pour moi, je suis allé trop loin. Regarde, il tremble. Je suis vraiment désolé, les gars. Je voulais juste voir le roi. Qu'est-ce que vous voulez, Dusty? Je suis pas sûr. Est-ce qu'il y a un souci, Tom Bird? Il n'y a aucun problème. Je vais y aller. C'est sympa de parler avec vous, les gars. C'est bon, Dusty, ce sera tout. Dusty est fatigué. Le roi sera vraiment ravi de te voir, Tom Bird. Tiens, donne-lui ça quand tu le verras. C'est quoi? Rien d'extraordinaire, pas vrai? Non, non, c'est pas grand-chose, rien d'intéressant. Juste une demande de ration ou d'entretien. Allez, va! Qu'est-ce que t'as mis? Il a pris? Il est parti livrer les messages à ce moment même? Sérieux, vous êtes rude avec lui. Vaut mieux lui que moi. Je suis d'accord. Pense que le roi va faire. J'en sais rien, mais ça va pas être beau à voir. Le temps nous le dira. Acte 1. Terminé. Quel bon jeu, je suis déçu de pas avoir commencé avant. Ah, Tumber, où étais-tu passé? Toutes mes excuses, sir, mais j'ai passé toute la journée partout. Oui, j'écoute, j'ai cherché partout. Est-ce que tu saurais où est passée ma fille? Non, sir, je n'ai pas vu mademoiselle Termine, petite effrontée. Qu'est-ce que tu as là? Tenez, sir, je pense que c'est une demande de tenue. Bien. Au lever du soleil ce matin... Ah, c'est une rançon pour sa fille, probablement, quelqu'un a donné. Ready. Prêt. Bien, faut le go, hype, quoi. Non, sa femme, sa fille s'est fait kidnapper. Stable, démarre cette fiche caméra. Action. Écoutez, une fois, un homme à la volonté d'acier. Et il protégeait le royaume alors que la plupart des autres le tournaient le dos. Il accomplit son devoir, il pleuve et les ventes qu'il neige. À qui compte sache, les devoirs qu'il reste un trait. Je crois que je suis assez réservé au champ aujourd'hui. Oh mon Dieu, j'ai hâte de manger de la soupe. Je suis un pauvre orphelin qui n'a pas mangé depuis 4 jours. Oh non, qui est cet homme étrange qui s'approche de moi? Je suis venu prendre votre or. Je suis qu'une pauvre paysante orpheline et je sais pas d'argent. Dans ce cas, je prendrai votre lutte. Oh non, je n'ai pas gagné que la musique. Donc, je prendrai ta cerise. Le cristal a encore disparu. Je t'avais dit de ne pas prendre un bon marché. Mais mon Dieu, sans vidéo, le roi ne prendra pour ça. Il se passe quelque chose de bizarre ici. Tu n'as pas entendu? Surprise! La tête que vous faites, ça n'a pas de prix. Famille prix! Quoi qu'il en soit, venez avec moi. Charlie, ça répond à ta question, qu'est-ce qu'il faut faire? La princesse Termine a disparu. Oh mon Dieu! N'ayez pas peur, sir. Tumber va la sauver. J'irai jusqu'au bout du monde pour sauver Terry. Enfin, j'espère que je n'aurai pas en envie. Je suis sûr qu'elle n'est pas allée bien loin, n'est-ce pas? Eh bien, je vais y aller maintenant. Pendant ce temps... Et moi, je dis que je suis pas un taxi! Silence!
Je t'ordonne de commencer les eaux de côté. Non, il n'y a pas de danger. Tu peux rester ici toute la journée. Qu'est-ce que je vais faire? Tu m'empêcherais pas de faire mon boulot. Thundera Expel! Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qu'il y a, Tomber? Tu n'as pas aimé la nouvelle? Je crois pas. Et quelqu'un devrait bien lui annoncer. Ouais, et il a insisté pour qu'on le laisse entrer. C'est évident. Et dites-moi au moins que quelqu'un est parti à sa recherche. On t'en fait pas pour ça, peut-être. Ouais, les chevaliers de Wackenwood s'en occupent. Quatre des plus grands héros de Wackenwood sont partis ce matin, Ringwood. Mais ils sont vieux et grassouillets. Ah, c'est pas moi qui a critiqué leur physique, hein. Ouais, le roi les paie bien en échange de leur service. Ouais, je suis sûr qu'ils le ramèneront vite. Allez, va trouver quelqu'un d'autre à l'embêter maintenant, Facelette. Allez, Phil, on t'a assez vu, c'est... tu pues le ketchup. Les chevaliers de Wackenwood ne sont pas de taille face à ce qu'il y a dehors. Ce sont des vétérans, pas des héros. Je dois pouvoir faire quelque chose. Je n'ai pas envie de rester assis à attendre les funérailles. Pas encore. Merde, Tomber, réfléchis! C'est pas le plus important, là. C'est ça, le message dit que la princesse a disparu ce matin alors qu'elle tournait le dernier acte de la nouvelle pièce Full Go. La scène tournait à la promenade des amoureux face au coucher de soleil. Je parie que je pourrais trouver des indices pour la démêler de tout ça. C'est une bonne opportunité pour prouver que je suis le meilleur du monde. Je peux pas foirer ça. Ah, je parie que c'est ce que tu feras. C'est la scène des crimes. Désolé, Tomber, je peux pas te laisser passer. C'est une scène des crimes. Je trouverai la surveille importante de la scène des crimes. Mais où n'a pas le droit d'aller? Excellent, je viens de sauvegarder. Donc, c'était tout pour cette émission aujourd'hui.